Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Rugby Challenge 3 pour faire le dernier match du week-end que je voulais vous proposer, c'est les Saracens face à Gloucester, tout simplement la deuxième contre la troisième, et on va normalement retrouver le petit geek pour nous affronter, on va voir. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, bonjour. Ouais, salut. Oui. Bon. Bonjour, bonjour. On a fait des tests tout à l'heure, ça marchait plutôt bien. Alors, ta connexion, oui, tenait bien la route. Hein. On espère que ça va être toujours pareil. Moi aussi. Et donc, monsieur va jouer avec les services. J'ai modifié l'équipe. Hein. Ah, oui, parce qu'on a vu qu'il n'avait même pas Owen Farrell, quand même. Voilà, voilà. Mec, voilà. J'ai fait l'effort. C'est bien. J'ai fait l'effort. Attention, je connais bien les Saracens, tu vois. Tu vois, je vais voir, c'est comme si tu vois, toi quand je mets Pram Bayonne, tu vois toutes mes erreurs. Je vais voir tes petites bêtises à mon avis. Allez. En plus c'est bien, c'est Saracens à domicile comme ce qui sera ce week-end. On va voir la compo, Vunipola, George Koch, Itoje Cross, Pete Lozowski. Ah c'était pas mal, j'ai pas eu le temps de voir la fin, mais oui. Elle est plutôt à jour son équipe. Il y en a d'autres aussi, ça. Mais ouais, c'est bien. C'est plutôt cool. Bon, j'avoue, c'est la première que j'ai vue. Ouais, je sais pas si t'as mis Stretel à l'aile. Je sais qu'il a fait un gros match le week-end dernier, mais l'ancien Clermont. Il joue pas Clermont. Et il était au Saracens, puis Clermont, puis relais Saracens. Et il commence bien avec les Saracens. Ben, tu sais, à un an de la Coupe du Monde, tous ils reviennent comme Dave Atwood de Toulon. Ouais. Ils se disent sur un malentendu, et tu vas récupérer là-bas, sur un malentendu, tu peux participer à la prochaine Coupe du Monde, donc voilà. Et attention, allez, on a Sharples, voilà, boum. Oh non. Mince, mince, ouais, c'est pas grave. J'ai cru qu'il continue à jouer. Ah, non. Non. On revient à la main. Non, mais j'ai cru, j'ai vu qu'il y avait une là-bas. Je. Bon, sinon toi supporter Bayonne, t'es content de leur début de saison à Bayonne? Ouais. Ça va, c'est pas trop mal. Moi je dis on est plus fort que Garis, hein. On a battu Brive et ils ont même pas été capables. On a fait match nul comme Montauban, donc ouais. Le but c'est pas que d'être meilleur que Biarritz, non. Le but c'est quand même de remonter. Attention si, banane. On verra bien dans deux semaines. Ouais. On verra bien dans deux semaines. Après, je pense que l'objectif de Bayonne c'est la remontée quand même. Faut au moins un club basque en première division, mais c'est pas gagné. Bah il y a plus à Flelou, donc on a plus de sous. Hein. Mais c'est vrai, ça a amené beaucoup de sous, ça. Tu n'as pas tort. Oui, c'est vrai que... Allez. Non, oh là là, on gratte la balle. Et oui, on connaît le... Eh oui, le bourrinage de la touche X qui permet de gratter la balle, mais on le regrette vite. Hein. On connaît, mince. Là, à 7. Mince, j'ai dit qu'on s'en fiche, de toute façon, dans tous les cas, tu le verrais. Oh, bien joué. Je pense que ton lancer est bon. Ouais, ça va permettre de conserver. Oh non, il va y aller au drop. Non, on est monté. Il m'a fait peur avec Owen Farrell. Oh, je pense qu'on la récupère là. Non. Non. Oh là là, le fuck. Ouais, mais tu t'es amélioré. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas affronté là. Il nous surprend le petit geek avec ses saris. T'as sur Matt Banane qui se fait passer. Non, oh là là, le crochet c'était à deux doigts. Non. Ouais, je sais pas. J'ai envie d'une... Non, ça va pas passer. On préfère jouer au pied. J'ai tenté la relance et puis j'ai compris que ça revenait vite. Un petit coup de pied, petite touche. Mais bon, on sort de nos 22. Domination du petit geek et des saris. Mais là, ouais, là on va sans doute... Ouais. Récupérer la balle. Allez, Sharples. Sharples, il est rapide. Le chauve. Ah, bien plaqué. Allez. Oui. Non. Non, mais. Effectivement, le petit geek est plutôt, plutôt bien parti là. Domination pour l'instant. Ah, en plus, bonne touche, je pense que. Attention qu'elle soit pas considérée pas droite et ouais, c'était limite. Non, c'est pas vrai. Très limite. On fait pire que ça des fois. Là, ouais, mais bon. Après, c'est vrai qu'elle est pas droite. On prend, hein, tant mieux. On va évidemment choisir la mêlée. Mêlée. Allez, c'est pas grave. Hein. 0-0. Match tendu. Les Saris qui dominent logiquement, j'ai envie de dire. Après, je rappelle que
Le petit geek n'a pas d'avantage en vrai. Là, les équipes en multijoueur, elles sont mises au même niveau. Donc. Voilà. Oh, banane, le retour. Le tchic-tchac, un autre tchic-tchac. Mad banane. Alors que le match est dominé par les Saris. Gloucester et Mad banane. L'ancien joueur de basse, une des grosses recrues. Une des recrues phares avec Danny Cipriani de Gloucester. Ah là 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 là, ça se fait avoir. Hein. Ouais, bien joué. C'est dommage parce que... Et en plus, ouais. Pendant les matchs, je fais à chaque fois ça. Ah d'accord, il y a le drapeau de Angoulême. Non ! Danny Cipriani qui rate le... Il y a le drapeau de Angoulême, là, tu vois ? Oui, enfin moi perso, j'ai vu le drapeau de Angoulême à être violet. Alors on a peut-être pas forcément... Mais si, t'as peut-être raison, le truc violet, là, t'as raison. Hein. Il y a pas le truc des Saris, là. Mais c'est toi, je pense, qui l'a mis, c'est pas moi, moi j'y peux rien. Moi j'ai le truc de Gloucester. Oui, oui, non, mais toi... non. Mec. Mais oui, c'est vrai. Je pense que t'as les... Je sais pas, par rapport au patch, des fois ça décale les trucs ou des choses comme ça. Ouais. Lâchez pas. Bon, on le met à la faute, on le met à la faute. Et on va la jouer rapidement. Allez, et il n'attend pas, ouais, il n'est pas à 10 mètres, monsieur l'arbitre. Allez, on va tenter de la jouer, Moriarty, Mad Banane, il a fait mal tout à l'heure. Mad Banane, une deuxième fois. Attention, Alex Goody court plus vite, mais ça sera pas suffisant. Aïe, 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 Mad Banane qui vient marquer. Deux fois, et un peu la même bêtise. Où je te conseille, moi, de laisser un peu ton équipe défendre plus que toi, et toi, tu récupères le joueur juste au moment où il a plaqué. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça que tu te fais avoir. Moi. Ah, mais deuxième fois, à chaque fois, j'anticipe trop le coup de pied. Et au final, on mène à que 10 à 0. Bon. On est très réaliste parce que une action, un essai à chaque fois. Allez, Owen Farrell qui engage Moriarty. Le gallois, je crois, Moriarty. À vérifier, mais je crois bien qu'il est gallois. Allez, Sharples. Oh, Sharples. Ouais, non, cette fois-ci, Alex Good. C'est pas fait à voir. Ouais, mais ça va être difficile, on a des gros là, on est avec un pilier. Ouais. On était avec Wood là, un pilier, ça manquait de vitesse. 38ème minute, c'est ta dernière action pour essayer de réduire le score de cette... Non, avant la fin de cette première mi-temps. Nous, on est à deux essais du bonus offensif. Ouais, je suis tenté, Atkinson. On la garde tellement longtemps au sol, on n'est pas pénalisé. Merci monsieur l'arbitre. Et là, il y a peut-être quelque chose à faire avec Ibarb, le super talon. Sharples, on tente la croisée avec Savage. Allez, on se fait gratter la balle. Ah, Cipriani qui vient au plaquage. Mais non. Ah, petit coup de lag, Ibarb. Allez, Moriarty non. Moriarty, ah, ça... Ouf. Plaquage, un gros plaquage. Ah, il s'est fait pénaliser. Vous savez ce qu'on va tenter? La pénale. Allez, drop. Allez, allez, c'est l'occasion d'essai. Oh, et c'est l'essai. Eh oui, on a surpris notre monde. On a surpris le petit geek et les Saris. On la joue rapidement. Cipriani, chandelle parfaite. Là. Normalement là il faut pas laisser empêcher, faut pas le laisser en fait redescendre, mais c'est pas facile à faire parce que le mec il saute, donc si tu le plaques en l'air, bah, c'est plaquage en l'air, plaquage au haut. Et ça va faire 17-0 et là premier écart et on n'est plus qu'à un essai du bonus offensif. On a une mi-temps pour mettre un essai. Ça devrait le faire. Alors, sauf si le petit geek se met à défendre. Là maintenant que c'était pas le bonus offensif. Ah, ça va être dur, c'est pas comme le championnat de France. Hein. C'est toi, il faut juste ne pas concéder d'essai. Donc, Allez, Atkinson. Allez, Sharples. Le crochet, ça passe. La passe retour intérieur. Savage. On est déjà plus qu'à 15 mètres de la ligne. Et Gloucester est en train de faire très mal. Osiris, Mad Banane. Qui nous a déjà mis deux essais. On garde la balle au sol, l'arbitre ne dit rien. C'est bon. Et là on part avec le demi de mêlée en filou et ça peut être un essai. Du bonus. Voilà, ça fait mal ça.
C'est terrible parce que tu domines le match, et donc ouais, tu, bien les 25 premières minutes, et en fait deux essais tout bêtes, et ça plombe un peu tout, et maintenant on réussit à peu près tout. Ça va faire 24-0. Farrell a pas l'habitude de se prendre ce genre de score. Allez, Billy, 12 trees. Alors l'arbitre il est assez indulgent parce que je garde beaucoup les ballons au sol. Mais pour l'instant il me dit rien. Étonnamment. Allez. Là, là par contre là ça va manquer de soutien. Oui là c'est logique. On est hors jeu, on plaque Itoji hors jeu, ça va revenir à la pénalité. Hein, ça. C'est logique. Hein. Quel va être le choix du petit geek et des Saris? Il va aller en touche. Il va aller en touche. Alors, c'est vrai qu'il a eu une bonne touche depuis le début de match, seulement une de perdue. Hein. T'as perdu qu'une balle en touche, touche parfaite à 5 mètres. Donc, c'est le moment. C'est le moment. Peut-il le faire? Peut-il le faire? Et bonne touche. Je pense pas que Moriarty arrivera à voler la balle. Non. Il décide de faire un maul. D'accord, on va l'arrêter de suite, évidemment, le maul. C'est l'objectif. Voilà, on le renvoie. Je me suis trompé dans le camp, attention, il sort un peu sans qu'on s'y attende. On est en place, mais ça... Oh là 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 là, bien joué. On se fait avoir... Ah, bien joué. Bien joué, parce qu'il prend l'intervalle, on va regarder. Ah, mais dommage, tu pouvais le laisser. C'est pas grave. Sean Maitland, l'écossais qui a marqué. Est-ce que c'est le début de la remontada? Pourquoi pas, il y a, ça va faire cette... Ça fait encore pas mal de points d'écart parce que ouais, il y a plus de deux essais transformés d'avance en fait. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais on ne sait jamais. Oh, Cipriani qui a récupéré la balle. Et on la repère de suite. Ça va relancer, est-ce que ça va jouer à la main? Est-ce que ça va jouer au pied? Non, ça relance, ça rafute, ça joue au pied, c'est pas mal fait, c'est plus rapide que Atkinson. Oh là là, c'était tendu. Et on va pas récupérer la balle, très très belle relance là. Itoji qui part au bord du ruck, on arrive à conserver et on est revenu dans notre camp. Il y a des espaces, il y a quelque chose à faire peut-être. Ah oui, la balle à l'aile. Attention, il faut pas qu'on se rate. Oh, le petit coup de pied, on s'y attendait pas. Faut se jeter dessus. Aplati. Aplati, par contre, je me demande si c'est pas nous qui l'avons rentré. Non. Là, je demanderais bien arbitrage vidéo. J'avais l'impression que c'était moi qui l'avais rentré. Moi qui l'a... Ouais, non. Elle est rentrée au pied. Non, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Faudrait revoir les images, ça va vite. On est sauvé. Oh, oh, l'interception terrible. Allez, Cipriani. Ah non, on se refait intercepter. C'était tendu. Allez. Non, on prend des risques un peu foufou là. On va conserver. Allez, on inverse. Et non, on repart de l'autre sens. Ben Morgan qui retrouve Banane, qui fait un match énorme, qui a déjà marqué deux essais, qui va aller marquer le troisième. Qui scelle le résultat pour The Ball là. Je pense que t'auras du mal à revenir maintenant. Oui. Matt Banane. Joster qui est l'équipe surprise. Ah ben surprise. C'est ceux qui sont. C'est la seule équipe invécue avec les Saracens et Exeter depuis le début de saison. Il y a des chances qu'ils ne soient plus invaincus à la fin de ce match quand même, Gloucester. Mais bon, on sait jamais. Allez, Farrell qui engage. Oh, Cipriani, où il y a un intervalle là. Il y a un trou. Ah, ça. Ah, ça va bien là, mais il y a 12 free. Ah, on attend. Oh. Sharples qui arrive vite. On s'est jeté avec Sharples là. Ah non, c'est mauvais ça. C'est mauvais côté. Ouais, on repart de l'autre côté. Banane. Lâchez pas. Ah, on est pénalisé, on a gardé la balle. Est-ce que t'as le temps d'aller en touche? On est à 77, 78ème. Faut se dépêcher du côté de Farrell. Oh, quelle touche à 5 mètres, on sait que tout à l'heure, ils ont réussi à marquer l'essai comme ça. On va pas leur laisser évidemment cette fois, vous imaginez bien. Ah, ça peut être volé.
Ça peut être volé. Allez. Ah non. On va la jouer, on va la jouer. On n'a pas peur de relancer de notre but. Billy, 12 trees. 12 trees. Allez, Atkinson. Ah, ça va être difficile, hein. Mais on va tenter, on va tenter la relance. Hein. Ça va être difficile, mais... Allez, Morgan. Boum. Oh là là. Ça va, on conserve. Moriarty, Danny Cipriani. Oh, j'arrive pas à faire la passe pour Matt Banane, malheureusement. Et on se fait gratter la balle. Ça casse le plaquage, c'est pas mal fait, c'est Sean Maitland à nouveau. Oh, ça va renier au plaquage. Lâché. On n'arrivera pas à récupérer la balle. On essaie d'être bien en place défensivement. Il n'y a pas trop de trous là pour l'instant. Ça va, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace, mais il ne faut pas se faire rafuter comme ça, évidemment. Oh, ça va... Récupérer la balle? Non. Non! Allez, bien joué! Limaco! La deuxième, c'est bon. On aurait peut-être pas dû relancer de notre but, mais ça a été bien. Oh, le rafu! C'est le rafu, je pense, qui est fatal sur le. Ouais, ouais, ben, ça fait avancer un peu plus. Ça permet de prendre le temps d'avoir du soutien, etc. Et voilà. Ah, mais bien joué quand même. Je sais pas, t'as eu des moments d'absence, on va dire, qui te coûtent cher dans le match. Après c'est accroché, mais on a été réaliste. Hein. Toutes nos occasions, elles sont allées au fond. Merci à toi en tout cas, il faudra s'en refaire des matchs. De rien. Voilà, quand t'as la connexion qui est bonne comme ça, c'est plutôt cool, c'est vraiment bien à jouer. Donc voilà, merci à toi en tout cas pour le match. De rien. Et puis à la prochaine. Ciao. Ciao. Et voilà. Mais le match était cool et c'est vrai que ben, quand la connexion est bien entre les deux, on voit que ça joue. Voilà, il y a des trucs. Et puis là, franchement, on a été réaliste, nous. Après, honnêtement, je vois plus un score comme ça, mais dans l'autre sens. Hein, pour les Saris. Hein, les Saris devraient gagner et pourraient peut-être avoir ce que font Exeter. Parce que, alors, à l'heure où on fait la vidéo, ils n'ont pas joué. Mais alors, vous voyez cette vidéo, le match a été joué forcément parce que c'est vendredi soir. Le match Exeter qui va jouer à Newcastle, moi j'espère que Exeter va gagner à Newcastle, mais ça sera pas simple. Donc il y aura une première place en jeu entre Exeter et les Saris toujours. Et Gloucester, pourquoi pas, mais ça sera dur. Allez, merci à vous d'avoir regardé et à très vite pour d'autres vidéos. Et merci au Petit Geek encore une fois pour avoir fait le match en notre compagnie. Allez, bye bye.